Salut Élise, c'est Claudine. On vient d'arriver. C'est le printemps. Nous entrons dans un autre temps, le temps des vaches. T'as déjà une idée de laquelle va être elle? Peut-être encore. Mais elle est vieille. T'as 85 reines. Nous, on a du mal à comprendre cette importance des reines. D'où mais ça écoute, vient d'abord, ça vient des vaches elles-mêmes. C'est une hiérarchie pour elles. Et chaque propriétaire en avait une. Quoi? Tu veux qu'on garde Vedette? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui parler? Vedette! Vedette! Pourquoi tu viens jamais quand je t'appelle? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, je pense qu'elles ont des sentiments. Voilà ce que dit Descartes. Non seulement les animaux n'existent que pour le bien de l'homme, mais de plus, ils ne ressentent rien. T'entends ça? Ils ne ressentent rien. Tu vois, moi, j'ai plus envie de manger de la viande depuis que je me suis rapprochée des bêtes. Pour nous, Vedette est devenue légende. Et les légendes ne meurent pas.